Bien. Mesdames, messieurs, voilà. Pas tout à fait encore utilisé le quart d'heure charentais, mais enfin, on a été pas loin. Je suis très heureux de vous accueillir ici pour cette journée Innov 2017. Peut-être certains d'entre vous étaient déjà avec nous il y a 2 ans à Niort, où on avait partagé une journée passionnante. Et il était, je crois, assez rapidement évident qu'il fallait recommencer, échanger, se parler au cours de ces journées qui sont vraiment riches. Là, on va échanger beaucoup de data hein, d'ici ce soir 16h30. Donc on a vraiment beaucoup de choses à se dire. Et au cours des tables rondes, vous aurez le moyen de prendre la parole, évidemment. Petite précision pour vous signaler que cette journée est filmée, diffusée sur Internet. Donc en étant dans la salle, vous acceptez et on vous en remercie de fait d'être filmé. Et je vous demanderai également, si vous le voulez bien, de mettre vos portables sur silencieux pour votre confort et celui des intervenants. Et c'est assez rare pour être signalé dans un amphi, vous avez des prises en dessous. Donc vous pouvez vous recharger. Non, c'est vrai que ce n'est pas souvent. Quelques mots d'accueil de Jean-Marc Augier, le président de l'Université de La Rochelle. Président. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers collègues, chers amis, chers étudiants, je pense que des étudiants doivent arriver. Ah, voilà, il y a des étudiants qui arrivent, je pense que ça fait partie du groupe d'étudiants qui doivent nous rejoindre. C'est un immense plaisir aujourd'hui que de vous accueillir pour cette seconde édition de ce que nous avons appelé Innov il y a 2 ans à Niort et qui s'appelle désormais Innov 2017, portée par l'association Valconum. Cette journée d'échange se situe, comme vous le savez, au cœur de la stratégie de cet écosystème académico-industriel qu'est Valconum et dont le but est de créer des synergies entre des mondes initialement et encore trop cloisonnés, même si l'on observe des évolutions significatives en la matière. En se positionnant à l'interface de l'industrie du numérique, des institutions publiques et privées et des laboratoires de recherche spécialisés dans la valorisation des contenus numériques, Valconum catalyse les innovations numériques. Comme vous aurez pu le constater, cette journée vise en particulier la connexion de la recherche aux enjeux du numérique, de la banque et de l'assurance, secteurs d'activité qui sont particulièrement exposés, mais cependant attentifs à la transformation numérique de la société. On y parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, d'économie participative, de dématérialisation massive, d'Internet des objets, de mobilité numérique, de réputation numérique. Cette transformation engendre des effets collatéraux dans de nombreux secteurs et appelle à repenser la chaîne des valeurs, à réanalyser la relation client, à réfléchir aux technologies de traitement des données massives et hétérogènes, à définir de nouveaux modèles d'affaires, à protéger les consommateurs de leur vie privée. Il est essentiel que la France se structure et propose sur ces questions stratégiques, car à l'exception de quelques réussites nationales visibles dans ce secteur de l'économie numérique, on peut citer parmi les plus récents l'entreprise BlaBlaCar, hein, bien sûr, et dans les plus historiques Dassault Systèmes, par exemple, la France continue d'accuser un retard significatif par rapport aux opérateurs majeurs qui sont principalement nord-américains, et je cite ici les GAFA, bien évidemment, que vous connaissez tous. Nous souhaitons donc qu'Innov 2017 soit le berceau d'échanges interactifs et prospectifs à propos de ce monde en pleine révolution et que cette journée puisse être le socle de projets collaboratifs entre les entreprises et les laboratoires de recherche en cohérence avec une stratégie de filière visant à améliorer la compétitivité des organisations participantes. Innov 2017 est donc construit pour nourrir votre stratégie de développement. Prenant appui sur une conférence de clôture qui sera donnée ce soir par Monsieur Intelligence Artificielle en France, et je cite ici Jean-Gabriel Ganassia, dont nous sommes très honorés de sa participation à Innov 2017, cette journée donc est jalonnée par des tables rondes et des ateliers permettant de conduire des réflexions stratégiques posant les bases du développement de projets innovants. L'espace showroom, qui est donc dans la salle dans laquelle vous avez pu prendre le café, sera un espace d'innovation et qui devrait permettre quant à lui de dresser un état des lieux des technologies et produits et services actuellement ou prochainement disponibles tout en offrant un espace d'échange direct aux participants. Nous vous remercions donc chaleureusement de votre participation active à Innov 2017 et nous espérons sincèrement que cette journée vous sera profitable sur le plan de la stratégie de votre organisation et que les rencontres que vous pourrez y faire vous permettront d'élaborer des projets de rupture sur un plan technologique et économique. Quittant quelques instants ma casquette de président de Valconum, pour prendre celle de président de cette université, je voudrais dire à quel point nous sommes très heureux à l'Université de La Rochelle de vous accueillir et de voir cette édition d'Innov 2017 s'organiser dans les murs de l'université, à la faculté de droit, sciences politiques, gestion.
le lieu de cette manifestation est tout à fait symbolique de ce qui se joue actuellement dans nos murs au sein de cette très belle institution qu'est l'Université de La Rochelle. En effet, vous en avez sans doute entendu parler dans la presse nationale, qui fait beaucoup de bruit actuellement sur national et local. Dans un paysage national et international qui est devenu très concurrentiel, il est absolument nécessaire pour des universités, en particulier pour les petites et moyennes universités, que celles-ci fassent des choix stratégiques, distinctifs, visibles, pour espérer rester dans le rang des universités de plein exercice. Nous ne sommes pas à La Rochelle à l'abri de devenir une antenne d'une université voisine, voire pire, d'être réduite à des formations de premier cycle universitaire, coupée de ce fait de la formation de haut niveau et de la recherche dont le territoire a tant besoin. Non sans difficulté, car la conduite du changement dans une organisation publique et universitaire est loin d'être un exercice simple, l'université est en train de faire des choix de spécialisation pour devenir une université de référence internationale sur la thématique du littoral urbain durable intelligent, ce grand défi sociétal de portée mondiale que nous décidons d'adresser sous un angle interdisciplinaire, croisant ici des sciences humaines, le droit, la gestion, l'histoire, la géographie, les langues, des sciences technologiques, le numérique, l'intelligence artificielle, l'apprentissage artificiel, le big data et j'en passe, et les sciences de l'ingénieur. Après analyse de nos forces vives d'une part et de la concurrence nationale et internationale d'autre part, il nous semble que l'Université de La Rochelle a toute la légitimité pour prétendre être compétitive sur ce sujet. Ici, dans cette notion de littoral urbain d'intelligence, littoral urbain durable intelligent, la notion d'intelligence fait référence au monde connecté qui est en train de littéralement exploser avec l'avènement de l'Internet des objets et la nécessité d'utiliser ces technologies d'analyse et de visualisation des données les plus pertinentes pour construire un monde qui s'adapte à nos usages, tout en ayant le souci central, bien sûr, de la protection des données personnelles pour une qualité de vie des citoyens vivant sur une zone littorale. L'intelligence artificielle est encore, en quelque sorte, le cœur emblématique de toutes ces problématiques de gestion de la banque et de l'assurance, mais il faut bien sûr y associer tous les enjeux humains et sociaux, associés en termes de management, de relations clients, de protection de la vie privée, de modèles d'affaires, faisant de cette problématique un véritable sujet interdisciplinaire. Je voudrais donc profiter pour terminer ce discours, pour profiter de cette tribune pour remercier tous les acteurs qui ont investi dans le soutien à l'organisation de cette manifestation, avec au premier rang les sponsors principaux que sont bien sûr l'association Valconum, l'Université de La Rochelle, les collectivités locales qui nous soutiennent, la région, la communauté d'agglomération et également le département, mais également un des sponsors majeurs qu'est la Banque Populaire qui soutient très fortement cette journée, DocaPost, INDS, la société ITsoft et la société Use, et l'ensemble des associations qui soutiennent également l'événement. Je pense ici à iFutura, la Fédération Nationale des Tiers de Confiance, le SPN, Digital Bay, bien sûr, dont le président est juste à côté de moi, New York Numérique, etc. Merci à l'ensemble de toutes ces structures pour la participation et la préparation de la programmation de cette journée, ainsi que toutes celles et ceux qui ont accepté de donner de leur temps précieux pour venir animer et participer aux tables rondes et ateliers de cette journée. Un immense merci au chef d'orchestre de cette journée, Nelly Chazalon, pour son investissement sans faille dans l'organisation de cet événement, ainsi que l'ensemble de tous les personnels de l'université qui se sont associés. Vous avez vu tous les jeunes du laboratoire L3I qui vous ont accueillis, les jeunes, la cellule Actis qui est ici présente et qui est encore en train d'enregistrer et de podcaster tout ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Je remercie vivement l'ensemble de ces personnels qui nous accompagnent dans cette aventure. À nouveau, nous vous invitons à profiter pleinement de cet événement 2017 pour développer votre compétitivité. Je vous remercie. Merci Jean-Marc Augier, président de l'Université de La Rochelle. Alors pour beaucoup d'entre vous, la journée devrait s'arrêter au TGV de 17h05 qui vous ramènera à Paris, mais il y a un homme qui va essayer de vous convaincre de le rater, ce TGV, Pierre Guivarche pour Digital Bay. Donc, bonjour à tous, Pierre Guivarche, je suis président de Digital Bay, écosystème digital que nous avons créé à La Rochelle, collaboratif qui regroupe les acteurs, bien entendu, du numérique, les utilisateurs, mais aussi les organismes de recherche d'information et les financeurs. Donc effectivement, moi je suis très heureux d'être partenaire de Valconum et en particulier ici à l'Université de La Rochelle avec vous. On va essayer de vous retenir, ça va être compliqué pour ceux peut-être qui viennent de loin, mais à la limite ils pourront repartir demain matin après une très bonne soirée. Nous organisons notre troisième édition de la Digital Night ce soir.
donc à 18h pour clôturer cette journée INOV 2017. Et le thème sera un petit peu différent, mais nous resterons dans le numérique. Il s'agira du commerce connecté. Donc le thème de la soirée, c'est retour vers le commerce 3.0 avec un nombre de débats, table ronde et à 20h un cocktail pour faire du networking ici à La Rochelle. Voilà, très bonne journée et j'espère à 18h. À bientôt. Merci beaucoup, Pierrick Guivarch.